Tina Arena blessée mentalement, la conséquence inattendue sa participation à Danse avec les Stars. Dans une interview accordée à Nikos Aliaga pour 50 minutes Inside, samedi 11 mars. Tina Arena est revenue sur sa participation à la version australienne de Danse avec les Stars qui a bouleversé sa vie. « J'ai été blessée mentalement », a-t-elle glissé. Ce n'est pas une simple émission de divertissement, c'est un véritable concours de danse qui demande l'implication totale des candidats. Tina Arena le sait bien. En 2011, alors qu'elle avait 46 ans, elle a participé à Dancing with the Stars, la version australienne de Danse avec les Stars. Et son parcours dans le concours a duré 3 mois. Avec son partenaire, Damien Whitehead, elle est allée jusqu'en finale de l'émission. Si elle a beaucoup aimé l'expérience, elle n'a pas l'intention de recommencer. On m'a proposé de le faire 2 ou 3 fois en France. Mais j'ai dit non, confiait Tina Arena dans une interview accordée à Télé Loisirs. En 2018. Et d'expliquer, je n'ai pas envie de revivre cette épreuve une deuxième fois mentalement et physiquement. Je suis trop vieille maintenant, il faut dire qu'elle a été blessée pendant l'émission. Quand Tina Arena a participé à Danse avec les Stars en Australie, son pays natal, elle a été bousculée. Dans une interview accordée à Nikos Aliaga pour 50 minutes Inside, diffusée samedi 11 mars, la plus française des chanteuses australiennes s'est souvenue des difficultés rencontrées pendant sa participation au concours de danse. J'ai été blessée. Mais pas seulement physiquement, mentalement aussi, a-t-elle confié. Et d'ajouter, parce que, quand tu fais du sport à ce niveau, niveau athlétique, le corps change, c'est normal. Alors ça a déclenché des choses, je suis rentrée dans la périménopause, période de transition avant la ménopause. Note de la rédaction. J'étais jeune quand même, je n'étais pas vieille, mais de plus en plus de femmes entrent dans cette phase plus jeune, un véritable bouleversement.